nous sommes vendredi. Alors encore une fois, le vlog d'hier a été posté très très tard. J'ai des problèmes de connexion en fait et je me suis rendu compte que ça fonctionne mieux si j'utilise le partage de connexion de mon portable. Donc je pense que c'est ce que je vais faire à l'avenir. Ce sera nettement plus productif je pense. Donc là nous sommes prêts. Nous sommes prêts, il est 8h10 donc en fait nous allons vite chausser nos chaussures, nos manteaux, les cartables et puis nous allons partir à l'école. Marceau est réveillé, il est très actif mais toujours malade donc il va rester à la maison et puis bah, moi je vais enchaîner avec mon petit rangement, voilà, j'en ai partout. Par contre je suis contente parce que hier j'ai eu Pôle emploi au téléphone. Qui me demandait des papiers pour réétudier ma demande d'allocation chômage. Et je pensais que ça allait prendre des lustres. Et en fait, non. En fait, ça a été traité hier. Donc, je suis super contente. Du coup, je vais toucher mes allocations de chômage à la date prévue. Donc, je suis très contente. Je pensais vraiment avoir mes revenus, encore une fois, en différé, si je puis dire. Mais non, vraiment très contente. Donc voilà, moi alors comme vous le constatez, les cheveux blancs c'est pire que tout et en fait je n'ai plus de spray. Donc je me suis lavé les cheveux hier et là j'ai plus de spray, donc voilà ce que ça donne. C'est très très moche. C'est très très moche. Donc je vais essayer d'y aller ce matin en acheter pour pouvoir cacher ça parce qu'il reste quand même une semaine à tenir et je ne vais pas tenir une semaine comme ça. Donc il faut que voilà, il faut qu'Anaïs soit là pour pardon pour voir. C'est bon, j'en ai marre de ces allergies. Du coup, il faut qu'Anaïs soit là pour pouvoir me la faire, la coloration, parce que moi, me faire mes racines toute seule, c'est une catastrophe. Qui c'est qui tape comme ça? Ok, je pense qu'ils sont en train de sauter sur les lits. On a l'impression qu'il y a des travaux dans la maison d'à côté, quoi. Oui, je veux bien, merci. Donc voilà, donc du coup, là on va bientôt partir, il est 8h15, donc voilà, je vais leur demander de ramasser un petit peu leur bazar quand même avant de partir, parce que tout ce qu'il y a par terre, c'est que des affaires à eux. Bon, je vous reprends, il est 11h43, ça veut dire que je vais bientôt partir chercher les enfants à l'école. Je voulais juste vous montrer, ça y est, j'ai du spray. Alors en plus, cette fois-ci, j'ai pris blond foncé, d'habitude je prends châtain, là j'ai pris blond foncé, je me suis dit, j'espère que ça va couvrir, et ça couvre. Ça me paraissait clair au début, mais en fait, non, je trouve ça même plus naturel. Enfin, bref, c'était la petite aparté. Du coup, là, j'ai Marceau qui est avec moi, qui est en train de regarder la télé. Mickey, 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 il n'y a que ça qui compte. Du coup, là, on va aller chercher les grands, on va manger. Et puis, cet après-midi, je vais faire du ménage, parce que là, j'ai fait que ma cuisine, j'ai pas fait mon salon, j'ai pas mal de... choses à ranger dans le salon. Alors je reviens un petit peu sur la housse de canapé que j'ai commandée. Je suis un peu deg parce qu'en fait j'ai commandé la housse plus 6 housses de coussin. J'en ai eu en tout pour 52€, 52 ou 56, je sais plus, ce qui est quand même un budget, faut dire ce qui est. Et en fait la housse ne correspond pas à ce dont j'avais besoin. Je viens de contacter le vendeur en fait pour lui dire que je ne comprends pas comment on installe la housse sur le canapé et il me répond que je n'ai pas commandé la bonne. Moi j'ai pris une 4 sièges pour avoir un truc super long. Bon, je vous reprends, il est 11h45, mon alarme vient de sonner, ça veut dire que je vais devoir aller chercher les enfants à l'école. Donc je vais emmener Marceau avec moi puisqu'il est avec moi à la maison. Je voulais juste vous raconter un petit peu mes déboires avec ma housse de canapé. En fait, voilà, ce que je n'aime pas dans le canapé, c'est les coussins rouges. Alors, il y a mon panier de linge devant. C'est les coussins rouges, en fait. Je trouve pas ça joli. Enfin, personnellement, c'est pas du tout mon style. Puis c'est très foncé. Moi, je préfère les couleurs claires. Donc, c'est vrai que j'ai acheté le canapé en me disant, c'est pas grave, de toute façon, je changerai la housse et puis c'est tout. Sauf que la housse que j'ai commandée, je l'ai bien reçue, mais en fait, elle n'est pas du tout adaptée à ce dont j'avais besoin. Voilà, donc j'ai commandé une housse 4 places pour avoir la plus grande, en fait. Sauf qu'en fait, il me fallait deux housses de 2 places.
Sachant que quand j'ai commandé la housse, j'ai commandé les housses de coussin que je viens de recevoir. D'ailleurs, je les ai eues ce matin. Et le tout, j'en ai eu pour 56 € quand même. Donc là, j'ai contacté le vendeur qui me dit, bah non, en fait, vous aviez besoin de deux housses, de deux places, en fait, plutôt que des housses qu'une housse de quatre places. Sauf que bah là, j'ai regardé et j'en ai encore pour 30 et quelques euros, quoi. Donc j'avoue que je suis un peu saoulée. Je sais pas trop quoi faire. Bah, j'ai très envie de les commander, hein, parce que clairement, j'ai pas envie de garder mon canapé comme ça, mais ça me fait. Donc bon. Sinon, je suis allée racheter du spray. Bon, je l'ai mis grossièrement, là, mais ça va quand même. J'ai pris blanc foncé cette fois en fait. D'habitude, je prends toujours châtain, donc ça fait presque brun. Mais là, à vrai dire, comme je demande à Anaïs de m'éclaircir les cheveux, je pense que si je reste brune. Enfin, le but, c'est justement que mes cheveux blancs se voient moins. Du coup, j'ai éclairci la teinte aussi du spray. Voilà. Donc, Marceau, il est partagé entre la télé et les Playmobil. Là, en fait, j'ai pas le droit d'éteindre la télé parce que c'est Mickey. Mais par contre, il joue au Playmobil en fait, il regarde pas Mickey. Non mais je rêve. Bref, il va être l'heure, on va remettre les chaussures. Enfin, concernant Marceau, parce que moi je les ai pas enlevées. Et puis. Eh ben ça vole les Playmobil. Alors, ça s'appelle une échelle. Mais elle marche. Enfin, elle marche. Non, elle marche pas. Elle se pose sur le bateau. Sur le bateau. Le bateau, il est là-haut dans ta chambre. Mais la chambre, elle est noire. Non, j'ai ouvert les volets. Pourquoi? Bah pour que justement, tu aies de la lumière et que tu puisses y aller. Ouais, va voir. Non, mais limite, il me fait pas confiance, quoi. Abusé. Donc voilà. En fait, je ne sais plus ce que je disais, mais en tout cas, il va falloir qu'on parte, si qu'on mette les chaussures et tout ça. Du coup, j'ai acheté du pain en même temps, comme ça, les enfants n'ont pas à courir à la boulangerie. Ah oui, parce que, en général, ce n'est pas moi qui vais chercher du pain, parce que les enfants me font la vie pour pouvoir y aller tout seul. Donc, bon, là, ce matin, je suis allée chez Super U, donc forcément, j'en ai pris en même temps. Puis j'en avais pris aussi pour qu'Eric puisse manger avant de partir, donc c'est pour ça. Mais voilà, donc là, il est l'heure, il faut que je m'active. Ben, je vous reprendrai avec les enfants quand ils seront rentrés. Hein. Bon les amis, je vous reprends, il est 15h15, donc longtemps après. Les enfants sont rentrés, mais c'était un peu chaotique ce midi. Adam n'était pas du tout, mais alors pas du tout décidé. Du coup, j'ai évité de filmer parce que c'était très bruyant, il a fait beaucoup de colère, il veut pas mettre la table, il veut pas débarrasser, il voulait pas manger ce que j'avais préparé, enfin bref, c'était un jour sans. Clairement, c'était un jour sans. Là, j'ai Marceau qui me demande à prendre un petit déjeuner, sauf qu'il est 15h, donc bon. Autrement, j'ai dormi. Ouais, j'ai dormi. J'ai mis Marceau à la sieste quand les enfants sont partis à l'école. Il a dormi. Moi, je suis descendue. Je me suis posée un peu sur YouTube avec les vlogs que je regarde habituellement. Et j'ai senti la fatigue m'emporter. Du coup, j'ai éteint et j'ai dormi. C'est exceptionnel parce que je n'arrive jamais à dormir la journée. Donc, je pense que je suis vraiment fatiguée. Et en même temps, quand je regarde la tête que j'ai, je me vois en fait, forcément, tous les jours je filme pour vous tourner des vlogs, donc je me vois. Et je vois ces horribles cernes que je n'avais pas avant et que j'ai maintenant, tous les jours. Là, j'ai l'impression de ne plus avoir de fond de teint non plus. Alors que j'en ai mis ce matin. Hein. Je suis contente. Je suis contente.
comprends pas. Alors vous allez me dire, ouais, c'est resté sur le coussin où j'ai dormi. Non, parce qu'en fait, ça, j'avais déjà remarqué avant. Justement, tout à l'heure, je vous ai fait une vidéo avant d'aller chercher les enfants à l'école. Et c'est justement en faisant cette vidéo que je me suis fait la remarque que mon fond de teint, en fait, voilà, toutes mes tâches, elles sont apparentes. Parce que je n'ai plus de fond de teint. C'est assez bizarre. Bref. Eh bien, quoi vous dire de plus? Aujourd'hui, c'était une journée pas off, mais pas loin. parce que, voilà. Ben, en fait, j'ai fait un peu de ménage ce matin. Et c'est tout. Cet après-midi, du coup, j'ai rien glandé du tout. Après, ça fait du bien hein, de dormir un peu. Ça fait du bien de se reposer. Hein. Et bizarrement, j'ai ouvert les yeux. Je me suis dit, wow, combien de temps j'ai dormi? Il était 15h. Et au même moment, j'ai entendu Marceau descendre. Donc, j'ai dû dormir, je sais pas, une demi-heure peut-être. Petite sieste, mais réparatrice, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Vraiment. Donc, je suis contente, mais maintenant, il va falloir que je me bouge. En fait, on a des invités ce soir qui arrivent vers 6h30. Donc, il faut que j'ai lancé le chargement de cette vidéo sur YouTube avant 18h30, obligatoirement. Et du coup, il faut que je range un petit peu ça. J'ai du temps, hein, j'ai le temps de le faire, mais... du coup, on va clôturer. Dès que les enfants vont rentrer de l'école, on va clôturer tout de suite parce qu'après, voilà, il va falloir que je fasse le montage, que je fasse... en même temps, aujourd'hui, le montage ne va pas être très long parce qu'on n'a pas beaucoup vlogué, en fait. Mais voilà, il faut que je fasse le montage, il faut que je l'enregistre, que ensuite je le remette sur YouTube. Donc, cette fois-ci, je vais directement utiliser la 4G parce que... Bah, parce que sinon, ça ne charge pas, quoi. C'est compliqué. Bon, voilà, il est 16h20. Oh, une voiture passe dans cette rue. Que va-t-il se passer? Voilà, on est parti avec Marceau. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Voilà. On est parti avec Marceau chercher les grands à l'école. Alors j'ai trouvé ça trop mignon. En fait, je cherchais quoi faire tout à l'heure parce que on n'était que tous les deux. Puis on s'ennuyait un petit peu. Et puis Marceau, il me dit, on va prendre un bain. J'ai dit, on va prendre un bain. Du coup, on a été prendre un petit bain tous les deux. Bon, une demi-heure, hein, c'était pas très long. Maman, je vois pas. C'était sympa. T'as pris le bain avec maman? Hein, on a pris le bain? Ouais. C'était cool? Avant d'aller à l'école. Avant d'aller à l'école, bah oui. Nous, on fait pas les choses dans le bon ordre. Mais c'est pas grave. Donc là, on va chercher les grands, on va prendre le goûter, puis ensuite, on va se préparer. Je pense qu'on va se garder les leçons pour demain matin. J'ai pas envie de m'activer ce soir. Donc, on va garder les leçons pour demain matin. Ah ouais? Et puis ce soir, on va profiter un petit peu. Regarde, oh, oui, j'ai vu mon cœur. Avant que. J'ai vu qu'il y avait un petit morceau de. Je sais pas ce que c'est. Oui, il y a un chien. Je sais pas où il est, je le vois pas s'il est là. C'est pour une fois qu'il aboie pas. Donc après, on va se préparer à recevoir nos petites invitées ce soir. Nous allons faire une nouvelle rencontre. Du coup. Ça, c'est mon école, ça. Oui. En fait, nous recevons les missionnaires de notre église et il y a eu une mutation cette semaine et il y a une des deux missionnaires qui a changé. Donc, nous allons rencontrer la nouvelle missionnaire ce soir. Donc voilà. Et bien, en attendant, on va aller à l'école. J'entends les enfants dans la cour de récré. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas en classe à cette heure-là. Ah ben non, ils sont encore en récré ou en sport. Je ne sais pas trop ce qu'ils font. C'est marrant. On les voit en situation, ils sont en sport. C'est pas les miens, c'est pas la classe des miens. Bon, sur ce, on va chercher les grands. On va courir. On va courir, on va courir. Bon, je voulais vous faire écouter. Les enfants sont partis jouer là-haut. Vous allez voir qu'ils savent pas être silencieux. Quoi qu'ils fassent. Marceau a 8 ans.
pour vous situer le contexte, Elsa, c'est la maman qui est célibataire, évidemment. Elle se met pas du tout dans mon profil. Donc, maman célibataire de Marceau. Adam, c'est le papa. Donc, ils sont séparés, évidemment. Et Côme, c'est le chat. Je ne m'explique pas. Je pense que dans une autre vie, il a rêvé d'être un chat, je sais pas. Mais à chaque fois qu'il joue, Côme, c'est soit un chien, soit un chat. Alors Elsa, c'est toujours la maman. Marceau, c'est toujours le bébé. Adam, bah, des fois, c'est un enfant, des fois, c'est le papa. Mais Côme, c'est toujours le chien ou le chat. Trop d'idées. Mais bon, sur ces quelques mots, je vais clôturer ce vlog parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai des invités qui vont arriver dans pas très longtemps, dans une heure à peu près. Du coup, il faut que je m'active un petit peu. Et il faut encore que je monte le vlog. Je ne l'ai absolument pas commencé normalement à cette heure-ci. J'ai déjà pas mal travaillé dessus. Là, ce n'est absolument pas le cas. Donc, je vais m'en occuper de ce pas. Donc, je vais monter le vlog, le mettre en ligne, en espérant qu'il sera en ligne bien plus tôt que ceux de hier et avant-hier. Aujourd'hui, il est 5h15. Normalement, ça devrait le faire. J'en ai pas pour 3 heures à le monter, déjà. J'ai toujours pas rangé, hein, vous voyez, c'est horrible. J'ai honte, des fois. Je me dis que je suis vraiment pas une bonne mère au foyer. Enfin, une bonne... je sais pas comment... Pas une mère, parce que je remets pas en cause mes capacités de maman, mais je suis pas une bonne femme au foyer, en fait. Parce que, clairement, chez moi, le rangement, ça passe après les enfants, quoi. Le ménage, non, parce que... Moi, je fais une différence entre le ménage et le rangement. Le ménage, c'est vraiment le nettoyage, en fait. Alors, le nettoyage ne passera pas après. Mais en revanche, si ce n'est que du bazar, ça passera après. Voilà. Donc, sur ces quelques mots et sur ce beau bazar, je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir visionné ce vlog. Du coup, demain, on est samedi. Je pense que ça va être un petit peu plus long parce qu'on aura plus de choses, je pense, sur toute la journée avec les enfants. En même temps, je vais voir ce que je vais faire parce que du coup, Eric sera avec nous, donc ça va pas être évident quand même. Mais en tout cas, on va essayer. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Abonnez-vous, hein. N'hésitez pas à partager la chaîne pour que d'autres personnes la découvrent et l'apprécient, et en espérant en tout cas qu'ils l'apprécient, qu'ils s'y abonnent et qu'ils likent, et faites-en autant. Hein. Donc, bonne soirée et à demain, au même endroit.